Bonjour à tous, bienvenue à la Martinique. Good morning everybody, everyone. I wish you to spend a good time in Martinique, in the Caribbean too. Passez un bon séjour en Martinique et dans la Caraïbe aussi. Et bienvenue. Christian is my name, and the driver is Claude, my name. Bon, mon nom c'est Christian et notre chauffeur, il s'appelle Claude. Bienvenue à la Martinique, parfois pays du soleil, mais certains jours, on a de la pluie toute la journée, toute la nuit. C'est ça les tropiques. Martinique, c'est une petite île, des petites Antilles. Nous sommes au milieu, 14e parallèle. La population se trouve à peu près 400 000 personnes. Nous avons deux voisins, Sainte-Lucie au sud et Dominique au nord. C'est un endroit assez profond. Je veux qu'aucune personne ne tombe. Mais si un doit tomber, mieux vaut que ça soit les autres, pas vous. OK? If one have to fall down, it's better than the other, not you. Because you are my boo. Right. Now, what again? We have not a lot of wild animals. No tiger, lion, panther, leopard. OK. We have only a snake, spider, tarantula. Some iguana along the coast, raccoon, opossum, and mangoose. That is on that. Des iguanas, des mangoose, des opossums, qu'on appelle manicou, des iguanes le long de la côte, et puis des ratons laveurs et des serpents. When you catch you, father, I want to go to hospital, you have time. But if you don't go, you say, let's go tomorrow. You go down underground. Si vous dites nous avons du temps, ben, nous irons à l'hôpital demain, ben, vous descendez sous terre à l'hôpital. When you catch it, he give you 1, 2, 3. Okay? To survival. If you catch it again, 1, 2, 3. And each one, if you catch this one, 1, 2, 3. If you catch it, this one, he give you 3. À chaque fois que vous coupez, cette liane-là, elle fait 3. Pour la survie, that is to survival. Each time you catch it, 3 again. Yeah, to arrive in the ground. That is a special a parasite. It's possible to destroy your trees. C'est possible de détruire votre arbre parce que ça va le recouvrir, etc. Si vous le détruisez, vous laissez un morceau comme ça. Il faut tout sortir. Il faut une petite ficelle, toute petite comme ça. Va descendre, tu vois, toute petite. Arrivé au sol, il va se renforcer. Ensuite, il va. Okay. Il faut tout brûler si on enlève ça. If you love me, go to look for that for me in the jungle. Il dit aussi, si tu m'aimes, les amouettes de Kuma et de Excisium, tout ça, si tu m'aimes, va me chercher des codes comme ça pour pouvoir sortir à l'école. Mais là, est-ce que tu m'aimes? Oui, ouais, va me chercher ça. Come on, come here. Look up and there. Eh bien, vous avez de la chance, ce colibri. Au marché, il faut dire que je veux des macandias pour avoir ça. Là, ici, les insectes passent à l'intérieur, ils ont du mal à ressortir. Okay. Et le fait de bouger dans cette partie ici, là, dans ça, c'est la manière de nous choisir pour la fécondation. Okay. Il bouge là-dedans et... Big male, a little female down there. Yes, very small. Regardez, on a le gros là et sur le deuxième nœud du bambou, là, il y a un verre. Thank you.
Un petit arrêt là-bas pour du bambou, nous allons parler de bambou. Bambou table, bambou pipe, bambou chairs, bambou bed, for construction, like metallic support, bambou stand up, you have bambou again. When you mix the concrete, you put the bambou on, a lot of bambou, and you can use bambou to do that again. Like music instrument, bambou flute, bambou during carnival season. Okay, bambou for raft to go to fish in the lagoon, bambou to make basket, bambou to make cage, basket to carry your yams. Very dangerous. Bambou pass in it and go outside. Bambou is very sharp, exactly like my knife. Le bambou est utilisé pour tout faire. Des constructions, le bambou, des murs, du contreplaqué. On les met par la mêlée et ça fait du contreplaqué, des cuillères. On peut aller faire des radeaux pour pêcher avec le bambou. On peut aussi faire des cannes à pêche, des trucs pour aller la voile, des mâts de bateau, comme des supports métalliques, les épontis métalliques. On peut tout faire. Bambou, on peut manger aussi la salade, mais j'aime la survie. Si vous êtes très loin de l'eau et il n'y a pas de rivière, vous trouvez dans tous les bambous verts comme ça, comme celui-là ou celui-là, de l'eau à boire dans ça. Each one, you have pure water inside. Inside, water, inside water. Vous avez de l'eau pure dans chacun des nœuds de bambou. The land in rainforest is very rich. That is the reason why you can get long and large roots versus stabilization. Okay? La forêt étant très riche, les arbres ne font pas de racines profondes puisqu'elles peuvent se nourrir. Et on a de longues et de larges racines pour pouvoir, résister dans la situation. C'est pour cette raison, cet arbre-là. Provenance de la Amérique centrale, on dira. Thank you.
Quand ils sont au sol, ils ont le brun et la cheville. Mais c'est la même chose. Dépend des places. Hein? La forêt tropicale, c'est ça. Parfois, à Paris, il y a des plantes d'appartements qui font des petites pianes. Mais ici, bien, la feuille de cette largeur. Plus il a de l'eau, plus ça grimpe et plus ça monte. Oh là là. Oui, il y en a, mais c'est pas... C'est pas caché, pas de la forêt. C'est pas de la forêt. Il faut mettre ça dans le bouquin. Zone, zone sèche. Avec de l'eau, il faut que tu la fasses dans la maison. Et la forêt, c'est un... Ici, hein? Oui, il y en a, mais c'est pas. C'est pas c'est, mais acacia pas dans la forêt, pas dans la forêt humide. Okay. Zone sèche. Okay. The name we call that Riverwood, but that is a local name. C'est un nom local. On donne à toutes les plantes. Il y a un river grand rico, on l'appelle le menu poirier. C'est utilisé pour faire pousser les orchidées. Ça ne pourrit pas facilement. Comme ils sont comme ça, on l'appelle bois bousu, bien bois sèche. Ça, on le trouve tout le long des rivières. On l'appelle bois rivière. We find this tree all along the rivers. That is a name, we call that Riverwood, but that is a local name. C'est un nom local. On donne à toutes les plantes. Il y a un river grand haricot, on l'appelle un menu poirier. Alors que c'est pas un haricot. Mais arrivé, il y a de l'eau, là. Le big pas de l'eau, là. Fermé, mais on sait que c'est un volcan qui se réveille à certaines périodes de sa vie. Elle n'est pas éteinte. Ça, c'est la montagne brûlée. C'est pour cette raison-là, on voit qu'il y a de l'eau chaude ici. Par là aussi, il y a de l'eau chaude. Montre que au-dessous, il y a du feu. OK? Et la couleur jaune, vous voyez là-dedans, c'est du fer. Push. As I was in the... Push.